Wesh, wesh, petit noob, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va jouer à mon jeu Roblox, le noob. Alors c'est un jeu qui. Bah c'est mon jeu quoi. J'ai déjà fait une vidéo dessus qui sera en barre d'infos. Cette fois-ci, je pourrais la mettre, la barre d'infos, hein, il n'y aura pas de problème. Je vais le retester vu que c'était une très ancienne version. Et maintenant. On est passé au noob tueur au lieu du noob au lieu du piggy. Et je vous appelais Wesh chez mes petits noobs en référence à ce jeu. Hein. Voilà quoi, vous n'êtes pas des noobs, vous êtes des BG vous. Ok, je vérifiais bien que j'enregistrais. Donc je vais mettre la musique. D'ailleurs, la musique d'intro de Fuse, hein, on la remarquera. Du coup. Là, je vais parler fort parce que je sais pas si ça enregistrera. Donc voilà. Donc là, c'est les administrateurs. Voilà, vous les connaissez sûrement. Voilà quoi. Du coup, là, j'ai un bouton activer, arrêter la musique. Donc voilà, donc j'ai appuyé dessus. Parce que sinon, j'entends rien quand je vous parle. Hein, parce que sinon, j'entends pas quand je parle. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter le jeu, tous les affichages déjà. Donc, là, c'est la map, toute la map entière. Donc, on remarquera qu'il y aura des fonds blancs hein, comme ça. Voilà, quand ça sera du ciel. Bon, j'ai pas réussi à faire mieux, mais voilà. C'est un peu comme Waze quoi. Du coup, voilà. Donc, là. C'est réservé qu'aux administrateurs, hein, je vais pas vous montrer non plus. C'est le téléphone. Oui, le fameux téléphone qui est vraiment pas mal, hein, on remarquera. Ah, bon, j'ai remarqué un petit bug avec ce bouton, mais ça, c'est pas un souci, hein, je changerai. Là, c'est le menu d'accueil. Là, c'est le menu pour switcher de page en page. Bon, là, j'ai aucune page. Donc là, on a le Noob Store. Hein. Bon. Copyright, hein, mais... c'est bon, je changerai l'icône. Donc voilà. Donc là, YouTube, ça deviendra Noobtube. Hein, avec moitié logo, moitié YouTube, moitié Noob. Hein. Ça, c'est pour changer de fond d'écran. Je vais vous montrer. Hein, j'installe toutes les applis. Bon, ça, je peux pas les installer, coming soon, hein. Error, tu vois. Donc, là, voilà, j'ai mes trois applications. Bon, ça, c'est l'ancien logo d'Instagram, il y a écrit caméra. Mais c'est pour changer les fonds d'écran, évidemment. Donc, là, on a Noobtube, où on peut regarder des vidéos. Pas des vraies vidéos YouTube, ça, c'est bien dommage. Voilà, quoi. Donc, c'est des vidéos préenregistrées. Vous pourrez pas choisir vos vidéos. Caméra ne marche pas, enfin l'application pour changer son fond d'écran là, mais on s'en fout royalement. Et ça c'est une sorte de, je sais plus comment ça s'appelle, tic-tac-toe, je sais plus. Ouf, il va gagner. Quoi? Oh non! Bon, il y avait écrit XEEEE, il y avait écrit un pseudo. C'est le téléphone est très buggé. Bon là c'est pour... Bon attendez, je vais quitter et je reviens. Ouh, je vous entends plus là. Bon c'est pas grave. Je peux parler avec cette musique, elle est très bien. Bon voilà, j'ai le rang co-créateur. On remarquera même si je suis le créateur, mais c'est parce que c'est mon second compte, le créateur. Donc je vais vous montrer les autres trucs. Voilà les settings. Donc là ça change le fond des... Enfin... La couleur du fond, voilà. Là, c'est la luminosité. Ça arrive bientôt. C'est pas moi qui développe le truc, donc je sais pas comment faire. Je viens de lancer une musique là. Oh là là, oh là là, arrêtez la musique. Non, je peux pas. Oh non, oh là là. Bon, c'est pas grave. Hein. Faudra quitter. C'est plein des bugs, mais c'est des petits détails. Bon là si vous envoyez ça ne marche pas. Donc voilà. J'ai une musique en fond là, ça me saoule. Oh, bon.
Bon, le téléphone, on va arrêter de le présenter. Je vais devoir désactiver mon compte. De toute façon, c'est pas grave. Il est blindé de bugs aussi. Donc là, c'est des bugs, slash recommandations. Vous pouvez me recommander des trucs. Faut pas non plus abuser. Hein. Faut pas dire genre rajoute un jet privé ou un truc dans le genre. Faut pas abuser. Je sais pas. Recopie travaille dans une pizzeria, Doctomy, Brucavon, Lactopia, laisse tomber. Et donc là, c'est pour des trucs, hein, comme je l'ai dit. Ça, c'est téléporteur de chapitre. Ah, bon, c'est pas affichant. C'est blindé de bugs, hein, c'est tout que je règle. Mais ça, le téléphone, de toute façon, je sais pas s'il s'enlève ou pas. Oui, le téléphone dont j'avais pris une heure à faire. Parce qu'il est blindé de bugs. Et c'est pas moi qui l'ai fait, donc voilà. Donc là, c'est le téléporteur de chapitre. Par contre, ça, c'est moi qui l'ai totalement coupé. Bon, le bouton arrêter et activer la musique, il marche très bien. Hein. C'est juste que pour la musique du téléphone, ça marche pas. Donc voilà. On va se taper au chapitre 1, la plage. Et d'ailleurs, Jolino, ma douce, je dors. On est combiné avec le noob. On est amoureux. Hein ? Attention. Bon, voilà. Vous avez vu, mon visage, il change quand je meurs. En fait, ce qui se passe, c'est que votre cadavre, il va totalement... Ouf. Votre cadavre, il va totalement se... Comment dire ça ? Il va se... Il y aura un cadavre pendant toutes les 10 secondes. Enfin, pendant 10 secondes. Et du coup, bah, il y aura la petite tête de mort, là, comme ça. Voilà. J'ai regardé s'il y a toujours la musique. Non, je n'ai plus la musique. Donc, je vais remettre la musique. Hein. Je ne vais pas la mettre fort pour que je m'entende. Je m'entends. Mince, sinon, je ne fais pas le téléphone. Éteindre le téléphone. Voilà. Alors, bon. De toute façon, j'ai rien. J'ai aucun souci à me faire. D'ailleurs, je disais que, en fait. Ce qui se passait, c'est que du coup, dans l'ancienne version de Lunopad, la version de hier, et bah du coup, j'avais pas remarqué qu'on pouvait grimper les arbres. Ouf, bah, au moins tant mieux pour ceux qui veulent gagner. Donc en fait, je disais qu'il y avait des téléporteurs. Attendez, je vais vous montrer. Ah, bah, ils sont invisibles. Ouf, c'est galère ça par contre. Non, je dis pas que je peux pas me re-téléporter. Ah mince, je peux pas me re-téléporter. Oh là là. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, j'avais pas prévu ça. Du coup, bah, on peut pas se re-téléporter au spawn. Donc, je vais faire un quatrième bouton pour se re-téléporter au spawn. Ça a été une galère. J'avais pris au moins deux heures à dev ça. Voilà quoi. Donc, en fait, il y a des petits pads comme ça. Et bah, il y avait ces pads là pour se téléporter aux trois chapitres. Là, vous voyez, je peux me téléporter. Et du coup, ça fonctionnait comme ça. Sauf qu'en fait, je m'étais aperçu qu'il y avait plein de personnes qui ne comprenaient pas le système. Par exemple, j'avais un ami à moi, il s'appelle Nathan. Bon, là, c'est un hobby. Hein. Il s'appelle Nathan. Bon, c'est un hobby caché. Hein. C'est pour pas que vous trouviez, même si il est pas mal cramé. Et du coup, en fait, il me disait, il est génial ce jeu. Sauf qu'en fait, bah, on reste dans un lobby. Reste dans ça quoi. Donc je lui dis, mais non, pas du tout, il faut aller sur les téléporteurs. Et voilà. Et du coup, il m'a dit, oh, c'est génial et tout. Donc en fait, il ne savait absolument pas que c'était comme ça. Donc bah, il y avait aussi plein de personnes, il fallait que je leur explique. Et moi, je vais pas être à chaque visiteur à dire bonjour. Alors, le téléporteur est là, si vous voulez le changer. Non, je vais pas faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais faire téléporteur de chapitre, à part que les gens ne savent pas lire, hein, voilà. Donc, je vais me téléporter au chapitre 2. En fait, pour courir, parce que du coup, vous allez à cette vitesse de base. Et bien, en fait, pour courir, vous appuyez juste sur votre touche shift, c'est tout. C'est pas plus simple. Bon, bah là, je suis mort. Hein. Et du coup, vous appuyez juste sur votre touche shift. Pas plus de... Il n'y a pas plus simple que ça. Donc voilà, après c'est que valable sur PC, hein. Désolé, je joue au téléphone. Ah non, quoique. Bah non, en fait, si vous avez un clavier sur votre téléphone, intégré, enfin pas. La touche Shift, hein, c'est la touche majuscule.
pas majuscule verrouillée là. Non, c'est juste la touche majuscule tout simplement. Toute simple. Et du coup, la touche majuscule. Et ben, vous pouvez l'avoir si vous avez un clavier externe sur votre téléphone, tablette, tablette ou Xbox. Mais après, faut pas non plus appuyer sur votre. Faut pas aller dans le chat et appuyer sur la touche majuscule et vous allez courir. Non, ça marche pas comme ça. Du coup, si vous avez juste un clavier externe, ça marchera. Donc là, on était dans le chapitre 2, courir. Là, on peut remarquer que Noob arrive. Et vite, je vais courir. Bon, quand même, Noob va assez vite. J'ai mis ce système de shift. Wesh. Ah. J'ai mis ce système de shift. Parce que tout le monde se plaignait que Noob allait arriver à la. Je ne peux pas modifier la vitesse. Donc voilà. Je ne peux juste pas modifier la vitesse. Bon. Wesh. Wesh, m'escalade. Ah, d'accord, non, j'avais pas compris. Il est super mignon, ce Noob. Vous voyez, mais il vous tue. Parce qu'il en a marre de se faire disrespect par ceux qui ont des Robux comme moi. Et moi, je respecte le Noob totalement. Oui, je les respecte. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me traiter de bolosse là? Non? Pas du tout. Donc voilà, donc on va faire le jump. Vu que je suis nul en jump, et ben j'ai décidé de faire un jump tout à fait. On remarquera le chat. Serveur, la famille Roblox a fini le hobby. Voilà. Donc la famille Roblox a fini le hobby. À chaque fois que vous marchez ici, ça va vous mettre ça. Et du coup, aussi, en fait, là du coup, bah ça c'est basique. J'ai envie de vous dire, parce que si vous marchez dessus, bah vous mourrez. Alors que sur certains hobbies, vous traversez à travers. Donc, on voit mon gratte-crateur. Et en fait, il spawn au bout de 10 secondes. Hein, c'est pour éviter les lags. Parce que le gars, il peut bien se suicider 10 000 fois. Et voilà. Donc là, ça va vous tuer. Et pas vous. Vous n'allez pas traverser à travers. Là, vous allez marcher comme ça. Et en fait, sur les hobbies, logiquement, vous devez passer comme ça. Sauf qu'en fait, les deux tuent. Parce que vous ne devez pas toucher la partie grise. Et sur les hobbies normaux. Sauf que là. J'ai envie de voir mon cadavre. Ah bah mince, je suis pas assez rapide. Et du coup, logiquement, vous devez passer sur le bleu. Sauf qu'en fait, j'ai fait un truc troll. Un troll. En fait, il y a des trucs invisibles et vous passez comme ça. Voilà, tout simplement. Logiquement, ou sur certains hobbies, hein, qu'on montait dessus, ça vous kill quand même aussi sur mon hobby. Donc voilà, j'ai fait ça pour troller les gens un peu. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y avait des petits spawners. C'est qu'en fait, ils sont sous la map. Je sais pas si je pourrais bien vous montrer. Bon, ok. Mais j'ai les commandes admin, je suis débile. Je peux montrer. J'ai les commandes no clip et tout. J'ai même les commandes pour faire crasher le serveur. Voilà. Bon, on lui dit le HD admin, hein, posez pas de questions. Voilà, j'essaye de passer là. Vous remarquez qu'il y a des spawners. Et en fait, c'est le Aldamine qui est bugué, c'est pas mon jeu. Hein. À chaque fois que je fais des vidéos comme ça, que je représente ma map, bah, ça finit comme ça. Hein, qu'on connaît. Donc là, là il y a les spawners. Et du coup, c'est comme ça que vous apparaissez. Hein. C'est comme ça que vous apparaissez sur tous les jeux. C'est toujours le même système. Ouf, je suis parti où? Oh là là, c'est galère. Ouf. Bah, je suis mort. Bon, du coup, ce téléporteur, vous allez l'utiliser si vous voulez vous téléporter à la salle de téléportation. Bon, bah là, c'est un peu comme tous les... comment ça s'appelle? Tous les story airplanes, là. Ou toutes les stories, même. Et du coup, bah, vous allez ici, et logiquement, ça vous téléporte à l'intérieur. Sauf que bah ça marche pas, j'ai remarqué. Et du coup bah non mais ça vous sait. Et je sais déjà que vous allez dire je vais aller faire une recommandation. Je vais aller faire une recommandation. Ça ne sert strictement à rien de cliquer sur ce bouton et de me dire tous les bugs que t'as testé en vidéo. Non, ça sert à rien. Je sais très bien tous les bugs que j'ai testé en vidéo. Enfin même ça pourrait me servir hein, ça me ferait des vues et tout. Mais en fait ce jeu c'est le Noob Admin. Je vous explique. En gros, ça veut dire, c'est un jeu comme tous les friends.
Les frères et mines, en fait, c'est un jeu où tu es, où tout le monde est administrateur. Tout le monde. C'est des dingueries, évidemment, mais voilà. Donc, bah voilà, tout le monde est administrateur et ça, c'est des jeux très connus. Donc, en fait, au départ, bah, ça devait être un jeu totalement à part. En fait, je me suis dit, pour faire plus de joueurs et de vues, ils vont tous aller se téléporter ici, on est d'accord. Donc moi, pour faire plus de vues sur le noob, eh ben, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le mettre directement dans le noob, comme ça j'aurai plus de visites. Et ouais, je suis malin. Donc, bah là, vous devrez rentrer dedans, et ça va vous téléporter au bout d'un certain moment. Sauf que c'est totalement buggé. Voilà. Et donc, en fait, c'était exactement pareil que le noob, hein, sauf que là, bah en fait, de base, j'avais dit que j'allais abandonner le noob pour développer dans le jeu. Sauf que c'est totalement faux. J'ai continué à faire des mises à jour, continué comme un tryharder, j'ai jamais arrêté. Donc c'est pour ça que voilà. Et là, en fait, bon, ça s'appelle l'histoire tragique du Titanic. C'était un jeu de mon ami Nathan qui voulait qu'il développait. En fait, si vous connaissez pas le jeu Shaking Chips, c'est Chipes. Mon accent anglais nickel, hein, on adore. Hein. Du coup, c'était un jeu où en fait c'était des bateaux qui coulaient comme le vrai Titanic. J'ai jamais vu le film, mais voilà. Ça s'appelle maintenant RP de la Réunion. C'est en développement. Si vous cliquez sur jouer, ça va vous dire ce jeu est privé. Je vais pas le supprimer, car si c'est la galère que c'est de mettre derrière un mur. Vous vous rendez pas compte de développer un jeu. Ça m'a pris presque un an celui-là. Jeu. Du coup là, ça s'appelle RP de la Réunion. En fait, il essaye de concurrencer Pokémon ou la Ethiopia ou tous les jeux. Sauf que ça n'a jamais marché. Le No Mini Games, il est fonctionnel. Bon, bah, vu qu'on est des dards, on va partir dans la ville sans inquiétude. D'ailleurs, vous avez remarqué cette animation. Vous avez sûrement remarqué cette animation, c'est l'animation R6. Car on a R15 où on a toutes nos animations. Et là, R6, et ben c'était le vieux Roblox de l'époque. Pourquoi j'ai mis ça? Pour avoir au-dessus de ma tête le créateur. Je rigole pas, je suis sérieux. Pour que les admins aient au-dessus de leur tête administrateur et tout. Je sais. Et voilà. Vous savez que vous pouvez prendre le téléporteur de chapitre directement, même si vous avez si vous avez l'affichage de début, hein, je vous dis tout de suite. Tellement que la ville est grande, on s'y pose. Bon, par contre, il est où le noob là? C'est bien beau 5 minutes, mais où il est? Ah, il est là. Alors comme ça, petit noob, on est coincé. Nanani naner. Il est nul ce noob. La logique, c'est un noob. On va peut-être pas le mener. Allez, c'est qu'on est des dards. Oh ah. Donc en fait, la plage. D'ailleurs, j'ai fait une dédicace un peu aux admins. Et surtout, à ma fille FR et à l'Euro Cœur, la 7734. Car en fait, ces deux-là m'ont aidé à contribuer au jeu. Vous savez pourquoi? Lui m'a aidé à faire l'intro du jeu. Et lui, le gros mec badass, là, en armure, et ben il m'a dit les chapitres à mettre sur le jeu. Ouais. Et du coup, la plage, bah, c'est d'abord le plus nul au meilleur. La plage, c'est nul, hein. Je vais vous la montrer. Oh non, il n'y a pas le noob bugué. Mince. J'avais cru qu'il y avait le noob bugué, je suis débile. Allez, vite, on part dans l'eau. Ouf. Ah bah, le noob, il veut pas... Oh, le noob, il est tellement... J'allais dire, il est tellement débile, mais en fait, c'est moi qui... du coup, en fait, la plage, c'est celui qui m'a montré. Le noob, je crois qu'en fait, il est débile. Mais attends, il est où? Il est débile! Ah non! Non, mince, il réapparaît! J'adore. Et du coup, en fait, il était mort parce que...
vous ne savez pas. Au chapitre de la plage, il y a un bug qui fait. Enfin, en fait, il n'y a pas de bug. C'est juste que j'ai oublié de mettre un mur invisible. Vous voulez que je vous explique? En fait, on peut passer par là. Donc le gnome, en fait, il veut venir vers nous. Et ce qu'il fait, bah, c'est qu'il traverse le truc et du coup, bah, il meurt. Il est débile, ce gnome, hein. Et du coup, bah, c'est la plage ici, hein. Plage, tout le monde connaît, patati patata, voilà. Et la forêt. Voilà, où il y a le gnome tueur. Je vais encore me faire avoir. Il est où? Il est où? Attends. Il est où le tueur? Bah. Il existe forcément. Ah, il doit être coincé contre un. Non, c'est une fleur. Bah. En fait, je pense qu'il s'est pris un mur et qu'il essaye d'avancer. Sauf que bah, tellement qu'il est débile, bah, il se prend le mur. Oh là là. C'est quoi ce jeu? C'est quoi? Ah, il est là. Monte. Monte sur moi. Monte. D'accord. Ah, d'accord. Non mais c'est tout, hein. C'était rapide. Et du coup, bah la ville, on a vu le double. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que il y a un mur où tu peux passer à travers dans la ville. Et donc dans la ville, et bah le noob, il est passé à travers ce mur. Et bah du coup il est mort. Et du coup ça a pris du temps qu'il respawn et tout et tout. Parce qu'il s'est tapé l'affichage. Ouf. En fait je sais même pas si c'est tapé cet affichage, je peux même pas l'incarner en fait. Oh il est où là? Il me saoule. En fait tellement qu'il est débile, il fonce là-dedans. Et du coup bah tu le perds. J'adore la musique du jeu. Bah logique, c'est la musique que j'ai choisie. Bon, il va faire un peu trop long le rec là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à Elfen. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce que, enfin, en fait, je voudrais vous dire un truc. Vous savez le bouton reset? Sur la majorité des jeux, il est activé. Mais en fait, on peut le désactiver. C'est pas un cheat, hein, ou quoi, c'est Roblox, c'est comme ça. Et du coup, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au tout début, enfin, au début, il était désactivé sur ce jeu. Sauf qu'en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, là, à chaque fin de parcours, il y a ça. Des trucs pour voler. Vous voyez ça? Quand vous appuyez, ça vous fait voler. Et bah du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, bah j'avais peur que quelqu'un se coince là-dedans. Et quand la personne se coince là-dedans, il ne puisse pas se reset et qu'il doit quitter. Donc c'est pour ça que j'ai réactivé les resets après. Sinon, je les aurais pas réactivés. Voilà. Et donc. Allez à iPhone, tout simplement. Bon, par contre, le nouveau Fanny, il faudra que je règle le bug. Hein, vous pourrez aller le tester, comme ça, ça me fait des vues de la money. En fait, tellement que mon jeu est pas populaire, il gagne même pas un rond alors que j'ai passé un an à le faire. Bon, et aussi, j'ai oublié de vous dire, bah, abonnez-vous, parce que du coup, bah, on est passé sur iPhone. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Mettez votre plus gros pouce en l'air et partagez la vidéo. Et je vous dis... Salut !